Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'avais une question qui m'avait déjà été posée en commentaire et c'était sur l'avenir de la photographie. Comment est-ce que je voyais le futur de la photographie pour les années à venir? Alors c'est une question qui peut paraître difficile, pas évidente, je pense que oui, parce que je ne fais pas d'oracle particulier, je ne suis pas doué dans ce domaine. Mais ma vision du futur photographique, je le vois surtout, je dirais qu'il va être phagocyté par l'IA, l'intelligence artificielle. On voit déjà avec Midjourney, maintenant Adobe Firefly, on a beaucoup d'intelligence artificielle qui génère des images de résultats photoréalistes. Et je pense que malgré l'évolution du matériel, ça va se faire plus en évolution technique, plus avec une évolution de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quand on fera une photo d'un lieu avec une mauvaise lumière et mauvaises conditions, l'IA prendra ce lieu, va l'embellir, mettra ce que l'on souhaite. Vous voulez un soleil couchant, vous voulez quelle lumière, vous voulez ceci, vous voulez cela, générera une image en quelque manière instantanée en fonction de ce que l'on veut, n'aurait voulu avoir ou pas. Idem pour du portrait, par exemple. Bon, après, je dirais, c'est toujours embêtant d'avoir un portrait où on ne se reconnaît pas, ou quand le client est pris en photo et qu'il ne se reconnaît pas sur la photo. Mais je pense que le futur va être ça, et que le photographe n'aura plus voix de citer. La technique et le savoir-faire du photographe va être là aussi suggéré. La science du regard, la science du cadrage, de l'angle, va être également mangée par l'IA. Donc je pense que ça sera plutôt comme aujourd'hui avec la photographie argentique. Dans certains domaines, avec un certain élitisme, on utilise encore la photographie argentique, pour du mariage notamment, pour ceux qui en ont les moyens. Et l'usage d'un photographe se fera également de la même manière, c'est-à-dire dans un domaine très élitiste, avec des photographes qui auront un nom bien connu, des gens bien connus qui seront des artistes à part entière. Après, la photographie lambda, je pense qu'elle sera faite par monsieur, madame, tout le monde. Il n'y en aura plus besoin. Déjà qu'on n'a pas beaucoup. Les gens n'ont pas dans les mœurs le besoin d'un photographe. C'est difficile pour être photographe à l'heure actuelle. Je pense que ça sera encore plus difficile dans les années à venir. Je pense que le métier de photographe risque de disparaître. Va disparaître, je pense, au profit d'autres activités, d'autres métiers. Alors après, je ne pourrais pas vous dire lesquels, mais je pense que l'intelligence artificielle va mettre un coup de grâce au métier de photographe en offrant la possibilité à tout un chacun de faire les images de son choix comme il le veut et de la façon la plus simple qui soit, sans aucune technicité. On n'aura même plus besoin de savoir faire de la photo. L'IA se chargera de tout et nous proposera un panel d'images. On choisira ce que l'on veut et nous fera une série de photos d'un lieu en fonction de points géosatellitaires et compagnie et de ce qui se fait des photos qui se sont déjà faites, donc il pourra nous faire une série d'images. Après resteront les derniers réfractaires, ceux qui aiment la photo pour avoir un appareil photo entre les mains et aller sur le terrain, mais ça sera plutôt de façon relativement élitiste. Parce qu'un appareil photo coûtera relativement cher dans la mesure où on aura plus besoin d'une IA qu'un appareil photo, d'un ordinateur que d'un appareil photo. Voilà un peu ma vision, qui n'est peut-être pas forcément optimiste, mais malgré tout, on n'a pas le choix. Quand le numérique est arrivé, nous, les photographes argentiques, on n'y croyait pas du tout. Et on s'est pris une claque dans la figure, on était obligé de... Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les imbéciles ont disparu dans la photo. Et nous, on a été obligés d'évoluer par la force des choses, on n'a pas eu le choix, et plus vite qu'on ne croyait. Et comme aujourd'hui, la disparition du réflexe pour l'hybride, donc il est important aussi de prendre ce virage-là, on n'a pas le choix. Et je pense que la disparition de l'appareil photo en tant que tel qu'on le connaît, il faudra la faire également dans les années à venir, parce que l'IA est déjà dans les appareils photo d'aujourd'hui, avec de la mise au point, avec de l'autofocus, avec une certaine vision des images, ça commence déjà à être présent. Et je pense que ça sera de plus en plus vrai dans un futur qui risque d'être même très proche.
Voilà les amis, ben, si vous avez une autre vision des choses, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important pour moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis ben, je vous dis à très vite. Ciao les amis.